Je préviens d'avance parce que la lumière est potentiellement un petit peu différente de d'habitude. Je filme un samedi matin, ce qui n'arrive jamais parce que je n'ai pas de volet chez moi. Donc j'ai calfeutré ma fenêtre avec genre des coussins en espérant que ça passe. Donc si la lumière est un petit peu différente de d'habitude, vous savez pourquoi, j'espère que ça ne vous gênera pas trop. Générique. Bonjour à tous, je suis Nomi, bienvenue sur Horizon Universe. Pile du mois de mars, on a des trucs assez sympas à discuter ce mois-ci, donc let's go. Et on commence ensuite avec The Simulacra, ou Simulacre en français, de Philip K. Dick, sorti en 1964. Le gouvernement des États-Unis, d'Europe et d'Amérique n'est qu'une façade. Le président est un simulacre. Le contrat de création du nouveau simulacre est donné à une entreprise différente de la dernière fois, lançant toute l'histoire. Et oh boy, si celui-ci est bien chaud patate, Dickien de chez Dickien avec son lot de moments et personnages bien what the fuck, dont un qui se pense invisible, une première dame qui ne vieillit jamais et tout ce genre de bordel, il y a aussi une option voyage dans le temps. Voilà, avec tout ça, c'est pas bien simple à suivre, c'est souvent hyper fouillis, mais ça reste quand même assez intéressant. Vous êtes prévenus. Voilà, c'est pas le meilleur de Philip K. Dick, c'est certainement son plus weird, en tout cas le plus barré que j'ai pu lire de lui. Pourquoi pas? The Stormlight Archives No. 2, Words of Radiance, Part 1, le livre des radieux en français de Brandon Sanderson, sorti en 2014. Dans cette suite directe de Way of Kings, nous replongeons dans ce monde fantasy complexe où chaque personne doit se battre pour ce qu'il croit juste. Nous avons par exemple Shallan qui part avec Jasnah pour les Shattered Plains à la recherche d'une mystérieuse cité disparue, tandis que Caladan intègre les forces de Dalinar, celui-ci étant toujours en proie à ses visions des Radiants. Toutefois, c'est toujours un plaisir de retrouver cet univers et j'ai beaucoup apprécié ce tome. Même si le côté not like the other girls, on va dire, je sais pas trop comment on peut traduire ça en français, genre jeune fille trop différente, on va dire, de Shallan me tape complètement sur le système, surtout dans son duo avec Adoline. Les deux, ils sont... J'ai un problème avec l'histoire d'amour entre ados, en fait. Je crois qu'il faut que j'arrête de lire des livres où il y a des histoires d'amour entre ados, vraiment. Pour le reste, ça reste du très très haut niveau et j'ai hâte de voir ce que tout cela va nous amener, même si je sais que c'est pas encore terminé à l'écriture, mais peu importe. Ball Lightning, boule de foudre en français, de Liu Zixin, sorti en 2004. Le jour de ses 14 ans, les parents de Chen sont morts sous ses yeux, tués par un phénomène rare et étrange, la boule de foudre. Très marqué par cet événement, comme tout le monde le serait à sa place, il dédie sa vie à comprendre et expliquer le phénomène. Alors, est-ce que c'est le meilleur livre de l'auteur? Absolument pas. Ce titre est réservé au troisième tome de la saga Three Body Problem, Death End, c'est son meilleur selon moi. Cependant, Ball Lightning reste un livre très intéressant. Sa narration à la première personne permet vraiment une plongée très intime dans la tête du protagoniste, de sa culture et de son environnement, ce qui est très plaisant. Le côté hard SF a grand renfort de tests scientifiques et de discours sur les potentiels et limites de la science, mais aussi des hommes qui la font, est hyper intéressant. Et j'ai moi-même passé pas mal de temps à rechercher le truc parce que je pensais que ça n'existait pas. À la base, je pensais que c'était une invention, et ça l'est pas, et c'est ultra flippant. Mais aussi parce que je trouvais du coup le principe absolument fascinant. En gros, c'est un livre qui incite à la réflexion et à l'apprentissage, mais aussi profondément humain et touchant. Comme je disais, c'est pas son meilleur, mais c'est toujours une aventure assez plaisante. Poseidon's Children, Blue Remembered Earth, la terre bleue de nos souvenirs d'Alastair Reynolds, sorti en 2012. Et oui, c'est une édition américaine, alors que c'est un auteur britannique. Je ne comprends pas non plus, je comprends pas. 150 ans après notre époque, le monde a bien changé. La pauvreté, la guerre et le crime en général sont plus ou moins éradiqués. La Lune et Mars ont été colonisés et l'Afrique est un pouvoir économique et technologique dominant et une partie de l'humanité a créé les nations aquatiques, retournant à l'origine de la vie entre guillemets en se modifiant en conséquence. Geoffrey Akinia, biologiste et spécialiste des éléphants, fait partie de la puissante famille Akinia, dont la grand-mère, Eunice peut-être, renommée pour son entrepreneuriat, décède brusquement. Geoffrey est envoyé par ses cousins Lucas et Hector sur la Lune pour régler une affaire de famille, mais les secrets d'Eunice pourraient bien tout changer. Et qu'est-ce que ça fait du bien de replonger dans la plume de Reynolds?
Très chouette space opéra avec un aspect aventure familiale à MacGuffin hyper fun et rythmé, mais qui sait également se poser avec ses personnages si besoin est, et étonnamment positif dans son approche de la technologie et du futur, ce livre est un vrai vent de fraîcheur dans un environnement SF, parfois, et je suis la première à le dire, souvent, triste et pessimiste. La fin est sublime et si le livre démarre doucement, passé la barre des 100-150 premières pages, il embarque véritablement dans un univers cohérent, intéressant, au worldbuilding immense et encore une fois super intéressant, et aux personnages vraiment marquants. Geoffrey en premier, mais aussi sa sœur Sunday, enfin plein de personnages différents. Que du positif pour ce premier tome, et du coup j'ai hâte de lire la suite, il est déjà dans ma bibliothèque là-bas. Il me regarde, je le vois, c'est pour bientôt. Regardez-moi ce beau pavé, Night's Dawn No. 3, The Naked God, le dieu nu en français de Peter F. Hamilton, sorti en 1999. Dans cette suite directe du coup du deuxième, donc léger spoiler, nous voyons la Confédération à bord du gouffre, les possédés sous le joug de Queen arrivant sur Terre et d'autres colonies. Louise le traque et acquiert dans la foulée des alliés aussi étranges que puissants, et Joshua et Syrinx, sur les conseils des Kint, partent à la recherche du dieu endormi. Je suppose en français c'est Sleeping God en VO, donc Dieu endormi, ça me paraît très logique. Mis à part si du coup ils l'ont appelé le Dieu nu, mais c'est pas son nom en anglais, donc je sais pas trop, je ne sais pas. Potentiellement du coup capable de comprendre et de détruire les possédés. Franchement, mais un peu, je sais pas trop. Enfin, je veux dire, c'est une conclusion plus que satisfaisante qui met un point final plutôt appréciable et cohérent à la trilogie. Mais excusez-moi de poser la question, est-ce qu'il y a besoin de 3 livres de presque 1300 pages chacun pour écrire cette histoire? Est-ce que ça avait besoin d'être aussi long? Je veux dire, l'idée de base est hyper captivante, hein, vraiment. Mais est-ce que ça avait vraiment besoin d'être étalé à ce point? J'en ai pas l'impression, très honnêtement. J'ai trouvé le temps long sur plusieurs parties dans ce dernier tome, et dans les premiers aussi, c'était une de mes critiques dans les deux cas aussi. Particulièrement tout ce qui touche à Hal ou à Morton Ridge. C'est très répétitif dans l'ensemble, alors que honnêtement, l'histoire est assez fluffy pour qu'il n'y en ait pas besoin. Et notamment, les parties de Louise, de Joshua et de Jay font un effort réel pour faire avancer l'histoire. Alors que le reste, ben, les ralentit. Alors qu'il y a vraiment un effort pour créer, développer le lore et travailler la conclusion. Qui arrive d'ailleurs, paradoxalement, super rapidement. Et un peu en mode Deus Ex Machina, alors qu'il y avait le temps de la travailler, cette conclusion. Et voilà, ça reste d'extrêmement bonne qualité, hein, ça va sans dire, mais je sais pas, j'ai des petits trucs qui me gênent quand même avec cette trilogie. Allez, on passe maintenant au e-book du mois avec Monk and Robot No. 2, A Prayer for the Crown Shy, une prière pour les cimes timides en français de Becky Chambers, sorti en 2022. Dex et Moscap continuent leur périple à travers la Panga, Moscap étant devenue une sorte de célébrité. C'est le premier robot qu'ils voient depuis... toujours, en fait. Au cours de leur voyage et à travers des échanges avec d'autres personnages, ils s'efforcent de continuer à répondre à la fameuse question de Moscap : que veulent les hommes ? Avec un grand H. Et si je mets celui-là légèrement en deçà du premier, j'apprécie toujours beaucoup cette petite série. C'est très doux, c'est très mignon, c'est très frais, ça fait réfléchir sans prendre la tête. Hâte de découvrir la suite, après cette fin toute douce, qui vraiment pour moi était la meilleure partie du livre, vraiment les 20 dernières pages sont vraiment très très mignonnes. Passons à Babylon Babies de Maurice Dantec, également sorti en 99, décidément il s'est passé des choses en 99. Nous sommes en 2013, bien différent de 2013 qu'on a connu, avec Hugo Cornelius Turop, un mercenaire bourru, qui reçoit pour mission d'escorter de Sibérie jusqu'au Québec une jeune femme, Marie Zorn. La mission paraît, de premier abord, assez simple, mais c'est sans compter le fait que Marie soit schizophrène et porteuse de jumelles modifiées génétiquement, le prochain stade de l'évolution humaine. Et si l'idée de base et celle développée dans le livre sont hyper intéressantes et invitent véritablement à la réflexion et à la promesse d'un livre qui sort des cadres de la SFFR classique, je peux pas m'empêcher d'avoir du mal avec. C'est extrêmement vulgaire pour rien. Surtout que c'est un style à la troisième personne, pas à la première personne, donc ça sort littéralement de nulle part. C'est du coup vachement fouillis, on s'attache pas au personnage, et c'est parfois d'un côté hyper long et verbeux, ça, c'est schizophrène aussi. Voilà. D'ailleurs ce terme est balancé en insulte, ça me gêne pas mal tout au long du bouquin. J'aime pas trop le principe. Bon, c'est 99, c'était littéralement il y a 30 ans, ça a un peu évolué depuis, mais quand même. Et tout comme le débat sur... Le sacrifice de la mère, voilà, encore une fois, moi c'est un thème que j'aime pas du tout, donc c'est pas forcément à cause du bouquin, c'est à cause de moi. La fin m'a laissé un petit peu sur ma faim aussi, du coup c'était plutôt pas mal dans l'idée, j'ai bien apprécié ma lecture, mais ça aurait pu être mieux.
je pense. Il y avait clairement mieux à faire avec ce thème-là. Et au final, je pense que l'écriture de Maurice Dantec m'a un petit peu freinée sur certains points. Frontlines No. 1, Terms of Enlistment de Marco Kloss, c'est un nom très très rigolo à dire, sorti en 2013 et pas encore traduit en français, très étonnamment. Andrew Grayson vit dans le Commonwealth nord-américain, dans notre futur, dans une cité extrêmement pauvre, ravagée par le crime, la drogue et tout ce qui va avec. Pour se sortir de cette vie misérable, Andrew choisit de s'enrôler dans les forces armées, lui conférant des repas chauds, qu'il n'a pas beaucoup, un bonus de retraite s'il s'en sort en vie, et peut-être la chance de quitter la Terre. Bon, si vous avez lu Scalzi ou vu et lu Starship Troopers, bah vous avez déjà une vague idée de ce qui se passe dans le bouquin. C'est un état dystopique militarisé aux zones de non-droit et aux citoyens au bord de la famine, des gamins en souffrance choisissant la servitude et l'abrutissement militaire en échange de plats chauds et d'espoir de pouvoir éventuellement toucher un petit pécule pour aider la famille qui reste en vie. Bref, c'est rien de très neuf, hein, c'est même carrément genre une des histoires SF les plus vieilles jamais écrites, mais suffisamment bien emballé pour que ça passe. Vous ne découvrirez rien de nouveau dans ce premier tome, si ce n'est vaguement la fin qui éveille ma curiosité. Mais c'est écrit de manière suffisamment sympathique pour que l'on passe un plutôt bon moment. Donc c'est cool. Alors j'ai complètement oublié de parler de Ra, de QNTM, sorti en 2014, donc je vais faire une VF, hein, désolé. Dans le monde de Ra, la magie a été découverte en 1972 et est devenue une science à part entière, notamment dans le milieu de l'ingénierie et de l'industrie. Laura Ferno est une mage très puissante et marche sur les traces de sa mère, décédée dans un accident mystérieux et dont le but était d'emmener l'humanité dans l'espace grâce à la magie. Et quelle balade que Ra! S'il est un peu longué sur les bords, notamment les passages de rêve qui sont un peu toujours les mêmes et un petit peu cheatés aussi, j'ai adoré le principe du livre. C'est cohérent, c'est bien amené, le lore est hyper intéressant, le worldbuilding assez subtil. Dommage que Laura et sa jumelle Nathalie soient absolument imbuvables très rapidement, hein, c'est vraiment le plus gros problème du livre, parce que l'idée du bouquin et l'aventure proposée sont hyper prenants. Un léger bémol donc, mais qui donne vraiment envie de découvrir la biblio de l'auteur. Et bien voilà les amis, c'était une pile un petit peu réduite, parce que bah, y a eu ça, hein, donc il a bien fallu que je lise 1300 pages. C'est pour ça que du coup, il voilà, y a que 10 livres, il me semble, dans cette pile. Elle est un petit peu réduite, mais elle est quand même super cool. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes lectures, si vous avez déjà lu ces livres-là, ce que vous en avez pensé vous. Dites-moi aussi en commentaire bah, ce que vous avez lu vous ce mois-ci, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, mettez la cloche, bref, toutes ces conneries-là, vous connaissez. Abonnez-vous à Instagram, Twitter et Goodreads, où je suis très active. Également, si vous en avez les moyens et l'envie, je vous retrouve sur Tipeee. Voilà, c'est pas une obligation, mais si vous avez envie de m'aider, bah, c'est toujours apprécié. Et je vous dis à bientôt dans l'univers.